Vas-y. Et bah, c'est parti. Ok, alors je lance l'enregistrement. Alors, Léonore Monconduit et Omblin Nagicourt, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes maire de Poitiers et première adjointe de Poitiers. Vous avez été élue là aux dernières élections municipales de 2020 avec un programme vraiment très axé, engagé sur les questions de démocratie. Dans votre manière de faire campagne aussi, vous avez mis en avant de manière très forte des nouvelles pratiques, de nouvelles méthodes démocratiques. Du coup, on va s'intéresser à ces nouvelles pratiques, ces nouvelles méthodes. Alors, pas tant sur le temps de la campagne que maintenant que vous êtes élu dans le mandat, dans ce que vous avez pu commencer à faire dans les premiers mois, puis surtout ce que vous prévoyez de faire. Peut-être avant, pour commencer à mieux vous connaître, vous, est-ce que vous pouvez me dire d'où vous venez, un petit mot sur votre parcours et notamment votre métier d'origine et comment est-ce que vous en êtes arrivé là à vous retrouver maire et première adjointe de la ville de Poitiers? Si je commence, alors du coup, mon métier pour commencer, c'est chef de projet dans la coopération internationale. Donc, concrètement, j'animais des équipes pour des projets de coopération éducative, pour aider au développement de l'éducation dans le monde. Et puis, j'ai aussi toujours eu en parallèle un parcours d'engagement important. L'origine de mon engagement, c'est vraiment l'éducation populaire. Et puis, dès 2015, j'ai été élue à la région Nouvelle-Aquitaine en tant que conseillère régionale. Et donc, ça m'a donné le goût de l'engagement politique et surtout le sens de l'urgence d'ouvrir la politique à de nouvelles pratiques et de nouvelles générations. Et c'est ce qui m'a conduit à m'investir dans la démarche politique collective. Merci. Angeline. Et donc, pour ma part, je suis historienne de formation. J'ai un doctorat en histoire politique contemporaine et ma spécialité, c'est l'Amérique latine. Et je suis arrivée à Poitiers un peu par hasard il y a 2 ans. Et je me suis intéressée tout de suite à Poitiers Collectif parce que dans mon parcours d'engagement, j'avais rejoint en 2017 un mouvement qui s'appelle À nous la démocratie, qui travaille à construire la démocratie directe et qui travaille sur la question de la transformation des institutions pour les démocratiser. Et c'est vrai que cette question de l'égalité, elle me tient particulièrement à cœur. Enfin, c'est quelque chose pour moi de très, très émotionnel parce que dans mon parcours, j'ai habité beaucoup en Amérique latine quand je faisais mes recherches sur le terrain. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de discrimination, d'exclusion des populations. Et donc, la question d'égalité, la question démocratique, c'est pour moi quelque chose de très, très émotionnel. Super. Est-ce que, selon vous, quelle qualité, en fait, il faut pour être un bon élu, pour être une bonne maire ou première adjointe, quelle qualité il faut avoir? Pour moi, La première des qualités le premier engagement qui est aussi ce qu'on a voulu matérialiser avec notre démarche politique collective, c'est celui de se mettre au service de la population, au service des projets qu'on défend et de considérer que le mandat ne nous appartient pas à nous, mais que si on est élu, c'est pour représenter la population et pour tenir nos engagements qu'on a construits avec elle, en l'occurrence pour nous, vis-à-vis desquels on s'est engagé publiquement. Donc c'est la démarche de savoir se mettre au service de l'intérêt général et puis d'être fiable, d'être transparent dans ses pratiques, d'être honnête. Et puis aussi, il y a forcément un côté un peu énergique, savoir mobiliser une équipe pour vraiment faire les choses collectivement. Il y a vraiment un rôle de cohésion et d'animation d'une équipe d'élus, en l'occurrence. Ça se traduit comment, être au service d'eux? C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce que ça change dans les pratiques, dans les postures? Comment on fait la différence entre un élu qui est au service de son territoire et un élu qui ne le serait pas? Est-ce que tous les élus ne cherchent pas à être au service de leur territoire? Bah, si je peux peut-être revenir un tout petit peu sur la démarche de Poitiers Collectif qui incarne ça justement, c'est le fait de dire que pour faire les choses dans le bon sens, selon nous, en tout cas en politique, c'était le fait de mettre le projet avant les têtes et les têtes avant la tête. Et donc de construire d'abord le projet sur lequel on s'engage de manière la plus ouverte et collective possible, ensuite de désigner une équipe d'élus qui va porter de futurs candidats en l'occurrence, qui va porter ce projet-là, et ensuite la tête. Et la tête au service du collectif. Et non pas l'inverse, trop souvent on voit en politique, on voit d'abord une personne, une personnalité forte, et ensuite on découle des idées éventuellement, mais voilà, c'est cette démarche-là, nous, la manière dont on s'est construit, nous engage aussi à nous mettre au service de notre programme, et pour ce qui nous concerne, la manière dont on a choisi de fonctionner maintenant que nous sommes élus, c'est le principe vraiment de la délégation. Chaque élu est en charge d'une feuille de route qui met en œuvre notre programme et c'est vraiment
le programme vis-à-vis duquel les élus doivent être loyaux et pas forcément vis-à-vis de la maire, parce que voilà, j'ai pas, je suis tout comme les autres au service d'un projet collectif. Oui, et pour compléter ce que vient de dire Léonore, c'est vrai qu'on envisage notre fonction comme étant une fonction d'élu en tant que facilitateur, animateur, et c'est vrai que quand tu disais que tu me demandais la qualité, je crois que l'une des qualités aussi, c'est d'être à l'écoute, en fait. Et pour recréer justement cette horizontalité, repenser ce triptyque entre les élus, les habitants et les techniciens. Et ça, ça implique pour nous, élus, de repenser notre posture dans une posture plus d'accompagnement et de facilitateur de la citoyenneté active des habitants. Et là-dessus, je crois que c'est une vraie rupture par rapport à la façon dont les politiques, jusqu'à présent, faisaient leur travail. Hein. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une rupture de la culture politique verticale et qui pense que la démocratie, c'est une affaire d'experts, de professionnels, ou plutôt du terrain. Voilà. Notre credo, c'est de la méthodologie du terrain et de la vie quotidienne des gens pour leur donner plus de pouvoir d'agir. Et quand on parle du terrain, on voit qu'aujourd'hui, le niveau de défiance envers les institutions, envers le politique, la politique, il est énormément... il s'accroît déjà d'année en année et il est extrêmement fort. Si on compare même le niveau de défiance en France par rapport à d'autres pays européens, on est à des niveaux gigantesques. On a plus de 80% de personnes qui sont en défiance vis-à-vis des institutions, notamment des partis politiques, notamment des élus. Est-ce que vous, en tant qu'élus, vous êtes nouveaux élus, mais est-ce que vous sentez déjà cette défiance envers vous ? Alors, si je commence, en fait, oui, et c'est justement cette défiance qui, personnellement, m'a conduit à vraiment m'investir dans une démarche nouvelle, la démarche de Poitiers Collectif. Lorsque j'ai été élue en 2015, j'ai été extrêmement surprise par le fait que le regard des gens changeait à partir du moment où on acquiert la casquette d'élu. On devient un peu... Alors, à la fois, il y a de l'enthousiasme pour les gens qui ont les nouveaux profils, la jeunesse, etc. Mais à la fois, il y avait aussi beaucoup de défiance vis-à-vis des élus, vis-à-vis des partis, vous l'avez dit, vis-à-vis de l'institution. Et il fallait absolument, enfin moi ça a nourri le sentiment d'urgence de trouver d'autres formes qui permettent de redonner confiance justement et on le sent aussi dans notre fonction d'élu, enfin moi en tout cas parce que je suis la maire et que je suis aussi la plus exposée, il y a eu une forme d'état de grâce après notre élection parce que c'était surprise, parce que c'était inattendu, parce que ça donnait aussi le signal que par le vote on peut reprendre les choses en main, mais déjà l'état de grâce continue, enfin commence à s'effriter un peu et il y a une défiance, il y a des attentes qui sont très fortes et sur lesquelles nous, on ne peut pas répondre aussi rapidement qu'on le voudrait, aussi rapidement que les gens l'attendraient. Et du coup, la réponse reste encore toujours pour moi. La pédagogie, la transparence, l'ouverture de décisions aux citoyens et un fonctionnement le plus horizontal possible et qui donne à voir comment fonctionne aussi la démocratie en interne d'une collectivité comme une mairie qui donne à comprendre, je pense qu'aussi la défiance, elle vient beaucoup de la méconnaissance du système. Puis la défiance, elle a aussi des raisons. Je veux dire, objectivement, il y a un système politique qui, depuis plusieurs années, enfin depuis plusieurs décennies, a conduit les élus à ne pas être toujours fiables vis-à-vis de leurs engagements, à les partis à avoir des pratiques clairement excluantes pour toute une partie de la population. Et on le voit encore, enfin, l'exemple récent qui me semble vraiment le plus catastrophique pour la confiance des citoyens à la démocratie, c'est l'histoire de la Convention citoyenne pour le climat. Je crois qu'on dit, moi, on trouve que le dispositif est de qualité. On avait même échangé avec Loïc Blondiaux pendant la campagne pour s'inspirer du process d'accompagnement qu'il avait mis en place. Et on a un président qui s'était engagé à tenir ses engagements vis-à-vis des citoyens et qui, en fait, détricote complètement ce qui a été proposé et renie ses engagements publics. Et là, je pense que, vraiment, en termes de dynamique, il y avait un espoir qui avait été suscité. Et puis derrière, ça retombe encore une fois, on se dit, bon ben ok, on ne peut pas avoir confiance en la parole politique. Et ça, vraiment, c'est insupportable et c'est dangereux parce que ça alimente la défiance et ça alimente le fait que les personnes ne participent plus à la vie politique. Et ça pourrait conduire à l'arrivée d'extrêmes au pouvoir, très clairement. Et c'est contre ça qu'on souhaite lutter aussi, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a une grosse attente depuis notre élection. C'est vrai que quand on se promène dans les quartiers, quand on va à la rencontre des gens, la première chose qui, moi, m'a frappée, c'est le besoin d'être écouté, le besoin de se sentir de nouveau représenté. Il y a toute une partie de la population, en fait, enfin, c'est Rosan Vallon, hein, Pierre Rosan Vallon, qui parle de ces fameux invisibles, voilà, les gens qui sont aujourd'hui méprisés, qui se sentent plus légitimes, en fait, pour participer
à la démocratie, à la prise de décision. Et ça, on sent qu'il y a une vraie défiance. Effectivement, pourquoi participer si ça n'a plus d'intérêt? Donc là, nous, on est vraiment dans cette optique, dans une forme de sincérité aussi, dans la transparence, dans la redevabilité, le suivi vis-à-vis des habitants, et de les faire participer, oui, mais de les faire aussi participer à la prise de décision, surtout. Et là, on souhaite aller un peu plus loin, en fait, que simplement la participation, et aller s'engager dans une dynamique de co-construction des politiques publiques, et voir jusqu'à une forme de partage aussi des décisions municipales. Et ce qu'on peut constater, c'est vrai, ici, le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, avait été très, très fort à Poitiers, mais il y a aussi des collectifs dans les quartiers qui souhaitent être de nouveau entendus. Et on peut comprendre, en fait, cette colère aussi, cette colère de ne plus se sentir représenté, de ne plus se sentir entendu. Et c'est un mouvement qui, à mon avis, d'ailleurs, n'est pas propre à la France. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, j'étais spécialiste de l'Amérique latine, et ce qui se passe actuellement, par exemple, au Chili, est extrêmement intéressant. On sent bien qu'il y a un effet de saturation, en fait, des populations. Et toute la question à laquelle nous, maintenant, on se trouve confrontés, maintenant qu'on est dans les murs de la mairie, c'est finalement comment est-ce qu'on transforme cette colère, cette défiance en capacité collective à se mettre en mouvement pour trouver des solutions justes et des solutions qui soient soutenables aussi par rapport aux enjeux climatiques. On reviendra sur la méthode, sur le comment vous comptez faire ça, mais la défiance, elle se transforme aussi en colère, vous l'avez dit, mais aussi en violence parfois, parce qu'il y a une violence sourde qui peut s'exprimer. Est-ce que vous avez peur de cette violence? Est-ce que vous la comprenez? Comment on fait avec cette violence quand même les dispositifs participatifs ne réussissent plus à finalement offrir des opportunités d'engagement, d'implication satisfaisant pour les citoyens? Moi, je crois que la violence, elle apparaît quand il n'y a plus d'espace d'écoute, quand il n'y a plus d'espace d'expression et de libre parole. Donc, c'est là aussi où je crois que l'éloignement à la politique, ce n'est pas une fatalité, ni même la colère en fait, des gens. Si on arrive justement à recréer des espaces d'élaboration collective, à remettre tout le monde autour de la table, que chacun se sente pleinement légitime à être là, en tant que citoyen à part entière, et qu'on puisse travailler aussi à la mise en réseau des différentes forces sur un territoire et faire en sorte qu'il y ait plus d'empathie aussi, plus de compréhension. Souvent, la colère, elle naît d'une forme de méconnaissance, comme tu l'as dit, Léonard, du fonctionnement politique, mais aussi de la méconnaissance de l'autre, une forme d'ignorance aussi de la réalité que peut vivre la réalité sociale des uns et des autres. Et nous-mêmes, en tant qu'élus, je pense qu'on a le projet, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on a le projet de mettre en place une assemblée citoyenne de 150 citoyens. Et cette assemblée citoyenne, vraiment, elle va partir du terrain, elle va nous permettre de faire remonter de la parole des habitants dans les différents quartiers. Et nous, en tant qu'élus, je pense que ce sera vraiment un outil très éclairant, parce que ça va nous permettre aussi d'avoir une meilleure connaissance des réalités sociales dans les différents quartiers et de pouvoir aussi affiner nos solutions et nos réformes, qu'elles soient plus inclusives. Et puis, enfin, pour compléter rapidement, la colère, oui, elle est complètement légitime. Enfin, je veux dire, la nier, ce serait encore plus de violence pour les gens, en fait. Et la colère, elle est légitime parce que, objectivement, la situation aujourd'hui, elle est extrêmement difficile. Et que ce soit la situation sanitaire qui clairement renforce les tensions, dans une situation sociale déjà très dégradée, mais que ça, la crise sanitaire accélère la crise sociale de manière exponentielle, quoi. La préoccupation climatique qu'on ne peut pas négliger non plus et qui crée de plus en plus d'éco-anxiété. Enfin, je pense vraiment qu'on va y être confronté dans les prochaines années. Et nous, les élus locaux, je pense que la situation n'est pas forcément la même pour les élus nationaux, mais les élus locaux, on est vraiment au premier contact des gens. Et souvent, face à la colère, on a besoin de trouver un responsable. Et du coup, les politiques sont aussi en première ligne pour répondre à plein de colères dont ils ne sont pas forcément, pour lesquelles on a du mal à apporter des réponses immédiates. Mais c'est aussi, comme l'a dit Ombine très justement, c'est nous qui avons les premiers la responsabilité d'être en attitude d'écoute par rapport à cette colère qui est complètement légitime. Et les gens ont souvent du mal à accepter l'impuissance de certaines politiques. Et nous-mêmes, en tant que début de mandat, c'est très compliqué d'accepter que le rythme n'est pas celui qu'on voudrait. On n'a pas les leviers sur tout, on ne peut pas agir sur tout, c'est frustrant. Mais on partage, enfin c'est aussi, on peut aussi en transparence partager cette vis-à-vis des gens ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, mais tout en restant toujours dans une attitude d'écoute vis-à-vis de cette colère légitime. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de citoyens, de citoyennes. Ça signifie quoi pour vous être citoyenne ou être citoyen? Alors la citoyenneté.
pour moi, qu'est-ce que ça implique? C'est surtout être acteur des décisions. C'est pouvoir prendre part légitimement aux décisions qui concernent sa vie. Et donc, c'est être pleinement acteur de sa vie, de son territoire, de son quartier, en fait. Pour moi, c'est ça, la citoyenneté. Et pour moi, oui, citoyen, c'est vraiment le terme qui met tout le monde à égalité, en fait. Lorsqu'on est citoyen, on n'est pas représentant d'une classe, représentant d'un parti. On est avant tout considéré comme une personne tout autant capable qu'une autre de participer à la vie publique. Et c'est aussi ça qu'on souhaite incarner. Vous avez parlé des partis tout à l'heure dans notre campagne, par exemple, et encore dans notre fonctionnement aujourd'hui, on ne différencie pas ceux qui sont en quartier, ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont engagés dans des partis sont tout autant citoyens que les autres. Ce qui compte, c'est la posture dans laquelle on se met. Et de considérer que ce n'est pas parce qu'on a une étiquette, ce n'est pas parce qu'on a un parcours universitaire ou quoi différent des autres, qu'on doit avoir un statut à part entière citoyen. C'est un statut républicain qui met aussi tout le monde à égalité face à plein de choses, mais dont face à la participation à l'action publique. Mais alors aujourd'hui, quand on n'a pas 18 ans, est-ce qu'on est citoyen? Quand on vient de l'étranger, est-ce qu'on est citoyen? Au regard de la citoyenneté, au sens de l'électeur, il y a beaucoup de gens qui sont aussi éloignés de cette citoyenneté. Est-ce que pour vous, la citoyenneté, ça dépasse le cadre-là de la citoyenneté républicaine, telle que, en tout cas, un citoyen peut participer en fonction de sa carte d'électeur, de son âge, de son origine? Est-ce que tout le monde est citoyen? Ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas tous égaux devant la citoyenneté. Ça, c'est évident. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas exercer justement leurs droits. Vous avez parlé des migrants, par exemple, sur les questions de citoyenneté, mais aussi il y a d'autres personnes qui sont, d'autres segments de la population qui sont empêchés aussi, ou qui sont très éloignés en fait, d'exercer leur citoyenneté. Je pense notamment aux femmes. Voilà, ça ne permet pas forcément de pouvoir s'impliquer dans la politique, mais aussi... les populations aujourd'hui qui sont les plus fragiles, les plus précaires, qui sont déjà contaminées par la crise et qui sont d'autant plus maintenant avec la crise sanitaire qu'on traverse. Donc, on parle souvent, j'aime bien cette formule parce qu'elle résume tout, à mon sens. On dit qu'il y a à juste titre un état d'urgence écologique, mais je crois aussi qu'il y a un état d'urgence égalitaire, un état d'urgence démocratique, comme tout à fait rappelé Léonard. Cette exigence, cet idéal de poursuivre l'égalité civique. Et ça passe par permettre à chacun d'exercer ses droits. Et d'avoir aussi des droits pour pouvoir en bénéficier. Et du coup, si j'habite Poitiers, moi, vous me proposez quoi pour m'engager, pour participer? Quels sont les dispositifs ou les opportunités d'implication et d'engagement que j'ai en tant que citoyen? Oui, c'est ta mission. Alors, c'est sur ma feuille de route, effectivement. Déjà, c'est peut-être important de rappeler, comme l'a dit tout à l'heure Léonore, en préambule, qu'on a été élu sur cette promesse du renouvellement des pratiques politiques, donc ça passe par plus d'horizontalité, et puis surtout créer les conditions permanentes d'un dialogue entre les habitants, les citoyens, mais aussi les services techniques, les experts. Et dans cette optique-là, on a travaillé un schéma de gouvernance qui vise à renforcer les capacités d'intervention, d'action des populations, parce qu'on pense aussi que les gens ont beaucoup de choses à dire et que ce sont vraiment des forces de proposition et que finalement, notre programme était une première proposition mais qu'il est loin d'être tout à fait abouti, ficelé et qu'on peut enrichir justement ce programme des idées, des projets, des initiatives citoyennes, associatives, voilà, sur notre territoire. Et donc, ça passe par plusieurs aspects très concrets. D'une part, donner plus de poids à la participation. Il y a déjà des dispositifs qui sont existants. À Poitiers, je pense notamment au budget participatif. Donc, on va l'année prochaine relancer une nouvelle campagne de budget participatif, faire en sorte que cette campagne des budgets participatifs favorise la mise en commun, la montée en collectif. On a ajouté notamment une étape dans tout le calendrier en fait, de la démarche qui consiste à mettre en place des ateliers de co-construction dans les quartiers pour favoriser en fait, cette mise en synergie et que les gens puissent, les porteurs de projets, puissent se mettre en relation les uns les autres et donc créer une émulation collective. Donc les budgets participatifs, on a également, comme dit, on a déjà commencé à mettre en place des concertations sur les grands projets structurants en termes de renouvellement urbain, le projet de la gare, par exemple, mais aussi on a lancé une évaluation sur une piste cyclable qui avait été faite par la municipalité précédente. Dans le contexte de la crise sanitaire, il y avait beaucoup d'enjeux de sécurité autour de cette piste cyclable qui avait été faite sans concertation, justement, au préalable.
Donc, on avait besoin de pouvoir évaluer cet équipement en termes de sécurité, savoir si ça répondait effectivement aux besoins des usagers. Donc, on a lancé cette évaluation, qui est d'ailleurs très intéressante, parce que le résultat montre qu'on peut penser que les gens, la société, est prête hein, pour aller vers les mobilités douces, vers la transition écologique, puisque la plupart des gens qui ont répondu, ce sont des automobilistes, par exemple. Mais le résultat, ce n'est pas mettons à bas la piste cyclable et vive la voiture. Au contraire, les résultats sont beaucoup plus mitigés. Et donc, c'est intéressant de montrer qu'il y a, voilà, des signaux faibles, que finalement, la société est prête pour aller vers plus de transition écologique. Et puis, parmi les grands, les outils également que l'on souhaite mettre en place, c'est développer la culture du débat local, plus de participatif, mais aussi plus de délibératif. Et donc, ça, on va commencer par, on s'est saisi récemment d'un sujet qui est vraiment d'actualité, qui concerne la 5G, le déploiement du réseau de la 5G. On a, Léonore avait signé une tribune justement de 70 maires qui était portée par l'Institut Rousseau, Chiffre Project, pour se prononcer pour un moratoire en faveur de la 5G, du déploiement des antennes. Et on souhaitait aller un peu plus loin et s'inscrire vraiment dans une logique d'éduc-pop, d'information, de sensibilisation auprès des habitants. Et c'est pour la raison pour laquelle on va mettre en place, ça commence début décembre, et ça se tiendra jusqu'en janvier, un temps de débat citoyen. Parce que ces choix technologiques sont des choix avant tout de société qui méritent en fait d'être repolitisés au bon sens du terme. Et donc d'amener tous les habitants de Poitiers à se faire un avis sur cette question. Et ce sera un premier temps d'information, de débat, calme, apaisé, on fera venir des experts avec des experts, mais aussi des associations, avec des points de vue très pluriels, très contradictoires. Et ce sera la première séquence au lancement au printemps d'un jury citoyen à proprement parler. Donc un jury citoyen qui portera non pas uniquement sur la 5G, parce que ce n'est pas forcément du ressort de nos compétences en tant que municipalité, mais plutôt sur le numérique au quotidien, quels sont ses effets sur nos vies, sur notre ville. Et donc, on va tirer au sort 15 à 20 personnes pour réfléchir sur ces questions, sur la base d'avis de personnalités qualifiées et qu'on va mettre dans une situation de formation, d'apprentissage. Et à l'issue de tout ce processus, eh bien, ce panel citoyen va pouvoir nous remettre des préconisations et faire en sorte que nos choix d'aménagement numérique dans les prochaines années soient vraiment le résultat d'un choix collectif. Donc on est bien dans cette optique hein, de co-construction de nos politiques publiques. Et puis, courant 2021, il y aura également d'autres actions, d'autres innovations démocratiques que l'on va engager dans le règlement intérieur. Ça passera par la mise en œuvre d'un droit d'initiative citoyenne. Donc, la possibilité pour les habitants à passer un certain seuil, qui est de 1500 voix, et bien de proposer au conseil municipal de mettre à l'ordre du jour hein, un sujet qui est dans l'ordre de nos compétences. Et puis, ce sera articulé à un référendum d'initiative citoyenne, un référendum délibératif, qui sera un autre moyen, un autre débouché institutionnel à l'expression citoyenne. Et puis, la grosse mesure, enfin, le chantier qui m'occupe beaucoup en ce moment, et qui est vraiment emblématique aussi de notre nouvelle gouvernance et de cette ambition de démocratiser nos institutions, c'est l'élaboration de l'Assemblée citoyenne et son inauguration. Sans doute à l'automne prochain. Le calendrier, évidemment, bouge du fait de la crise sanitaire que l'on traverse, et surtout parce qu'on souhaite que cette élaboration soit collective, soit vraiment le résultat d'une dynamique participative et que l'on puisse associer des acteurs locaux, qui soient nos partenaires dans les différents quartiers, également les habitants. Donc, ça suppose de pouvoir faire des temps de concertation, de consultation, ce qui est évidemment un peu difficile dans la période que l'on traverse. Mais en tout cas, à l'automne 2021, cette assemblée citoyenne, 150 citoyens, pour une partie tirée au sort, un tiers tirée au sort, un tiers représentant des instances citoyennes existantes, des associations, du milieu économique, et puis un tiers de volontaires. Et on l'envisage comme étant une mini société, en fait, une assemblée très représentative, un mini Poitiers, représentatif à la fois des catégories socioprofessionnelles, des différents quartiers, de l'âge, du niveau de diplôme, et que cette assemblée soit vraiment un espace d'expression, de délibération et qu'elles se saisissent des enjeux du quotidien. Mais finalement, on est dans un système, je parle là de la société française, de l'organisation de nos sociétés contemporaines, où on a un système politique où
on délègue en tant que citoyen, on va déléguer notre pouvoir à des élus, globalement, majoritairement, et déléguer notre pouvoir d'agir en faveur de l'intérêt général à une administration. Et du coup, on a finalement peu de temps dans notre vie de citoyen pour participer. On doit bosser quand on a des enfants, s'occuper des enfants. On a une vie où finalement les temps citoyens sont assez peu présents. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez? Comment est-ce qu'on fait en sorte que ça ne soit pas toujours les mêmes qui participent? Je ne sais pas, certes, on les appelle donc, les TLM, heureusement qu'ils sont là pour s'engager, pour participer. Mais on travaille sur les manières d'aller chercher des gens qui sont éloignés de tout ça. Premier bout de question. Et deuxième bout de question, est-ce que votre objectif, c'est une participation massive, c'est-à-dire d'aller chercher tous les habitants du territoire est-ce que vous avez placé le curseur quelque part sur le nombre de participants, le pourcentage d'habitants du territoire qui vous cherchez à atteindre dans ces exercices participatifs? Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on aille chercher les gens, il faut qu'on aille vers eux. Donc ça suppose de travailler à l'intérêt. Et là, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que les gens retrouvent l'envie, le goût de participer, de s'investir, de s'engager, parce que c'est aussi beaucoup de temps, d'énergie. Il faut que ça les touche au quotidien, il faut que ça ait un sens pour eux. Donc c'est à nous aussi d'identifier les problématiques, hein, de créer ce concernement qui va permettre aussi aux gens de se dire, bah, effectivement, si je participe, ça aura un intérêt et il y aura vraiment un poids, en fait. Ma parole sera entendue. Donc ça, c'est une première chose, hein, mais c'est important toujours de penser la participation avec ce lien réel à la décision. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, c'est vrai que vous avez raison, il faut absolument qu'on aille chercher les gens. Donc ça veut dire aussi, pour nous, relever un certain défi qui est celui de la créativité. Concrètement, comment est-ce qu'on peut faire mieux? Comment est-ce qu'on peut faire autrement pour aller chercher ces publics qui sont aujourd'hui éloignés, qui sont pour certains en déchéance ou qui ne se sentent plus légitimes? Comment est-ce qu'on capte ces publics-là? Et ça suppose effectivement de ne pas les formater, de nous aussi peut-être déconstruire nos propres manières d'envisager les choses, d'être très inventif, très ludique dans les formats, très conviviaux, d'inventer de nouvelles manières de faire. J'ai très envie là en ce moment, ce sera le tout début aussi de l'année 2021, de monter une démarche apprenante collective avec des acteurs dans les quartiers, les maisons quartiers, les conseils citoyens, les conseils des comités de quartier, aussi certaines associations. Sur la base du volontariat, comment est-ce qu'on se met tous autour de la table pour tester, pour expérimenter, pour se tromper aussi parfois, mais apprendre, nourrir une démarche qui permette vraiment d'aller vers les gens et d'aller chercher les jeunes notamment. Concrètement, ça passe... Est-ce que votre objectif, c'est 100% de citoyens qui participent? Enfin, plus grandement, oui. Pour moi, oui. Enfin, pour moi, oui, mais avec des objectifs... Enfin, comment dire? Il y a plusieurs choses. Enfin, il y a, d'une part, il y a vraiment notre premier travail, c'est de créer les conditions pour que tous ceux qui veulent s'engager puissent le faire. C'est déjà une première étape. Et aujourd'hui, on voit qu'il y avait certaines barrières. Il y a certaines barrières à l'engagement qu'on peut régler. Et notamment, nous, on a une équipe d'élus très renouvelée, très jeune, moyenne d'âge moins de 40 ans chez nos élus. On a beaucoup de jeunes parents et de jeunes femmes, notamment. Et donc, par exemple, permettre la prise en charge des frais de garde pendant la réunion municipale, ça peut sembler rien. Mais en fait, ça veut dire qu'à partir de maintenant, les jeunes parents seront égaux, enfin, plus égaux, en tout cas, devant l'engagement que l'autre. Donc, c'est pas énorme, mais ça, on avance comme ça aussi. Et pour moi, la partie, comment dire, on se met pas beaucoup. Enfin, il y aura des outils très poussés, comme l'a dit Ombline, pour permettre la co-décision et la participation des citoyens à la décision publique. Mais pour moi, l'enjeu, c'est d'abord de permettre à chacun de retrouver une culture politique dans l'espace public de Poitiers. Et déjà, si chaque citoyen peut avoir entendu parler de l'action publique là où il se trouve et de se faire un avis, on a déjà gagné. Donc pour moi, oui, l'objectif, c'est qu'à la fin du mandat, chaque citoyen de Poitiers ait été touché d'une manière ou d'une autre par une question de décision politique locale. Et ça passe aussi beaucoup par... Alors ça passe... Enfin, il y a tous les outils qu'on va mettre en œuvre, mais moi, je suis vraiment convaincue par l'état d'esprit général qu'on va réussir à dégager, la culture du débat public, la culture de la participation. Ça passe par le fait d'avoir des débats publics sur les grands enjeux de société. Alors on vient de mentionner la 5G, on va avoir la semaine prochaine un débat sur la laïcité aussi, c'est des sujets pas faciles et pourtant si on se les approprie pas, ben on résoudra pas le problème. Et il y a un énorme enjeu de communication aujourd'hui, je pense vraiment qu'on parle toujours des civic tech, etc. Comment est-ce qu'on peut mettre la technologie au service de la démocratie? Moi je pense qu'on n'est pas entré dans la nouvelle ère de la communication politique aussi. Alors
communication n'est peut-être pas le bon mot parce que ce n'est pas quelque chose de descendant, mais pour moi, il y a un énorme enjeu à aller chercher les gens là où ils sont pour les informer, pour les associer à la politique publique. Et les réseaux sociaux, par exemple, en font partie. Il faut absolument, on est en train de travailler sur une stratégie de communication aussi. Pour moi, on doit communiquer sur tout ce qu'on fait tout le temps, rendre transparent, rendre ouvert et horizontal tout ce qu'on fait. Et ça passe beaucoup par le fait d'aller chercher les gens sur les réseaux, sur les espaces numériques, dans les espaces publics où ils se trouvent. C'est-à-dire que s'ils sont telle soirée, dans tel quartier, ben on y va. Mais ne pas faire à partir de ce qu'on pense être bien, mais vraiment faire à partir des usages des gens. Et aujourd'hui, les usages des gens, ils sont aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc il y a vraiment un enjeu de communication politique pour moi aussi qui n'est pas un vilain mot, mais qui est un moyen de raccrocher les gens à ce qui se passe dans la vie publique locale. Et puis c'est vrai qu'on aura beau mettre plein d'outils, s'il n'y a pas cette dynamique justement collective, ça ne fonctionnera pas en fait. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et quand Léonore, tu parlais des outils numériques, c'est tout à fait juste. Hein. Il y a vraiment... On travaille beaucoup là, on commence à investir une plateforme numérique qu'on a, qui s'appelle Je Participe. Alors, il faut qu'on la pousse davantage dans son utilisation. Mais à terme, c'est vraiment ce que vient de dire Léonore, c'est l'objectif d'en faire une interface vraiment de dialogue avec les habitants, collaborative. Hein. Et quand on dit aller chercher les gens, être inventif, créatif, c'est aussi travailler à de nouvelles manières de s'engager dans l'espace public, d'être visible. Parce que beaucoup de citoyens aujourd'hui n'osent plus aller dans des maisons de quartier ou dans des conseils citoyens. Enfin, il y a un côté très impressionnant. Alors que si on va vers eux dans l'espace public, ça peut être différent. On peut les toucher, effectivement. Et puis, de travailler à d'autres supports, on se questionne aussi sur est-ce que l'écrit est toujours le plus pertinent, par exemple. Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler davantage sur des formats plus artistiques, sur les jeux, effectivement, les jeux vidéo, plein d'outils, même la poésie, pourquoi pas. Voilà, il y a plein de choses à inventer pour essayer effectivement, à l'objectif de ce mandat, de toucher le plus grand nombre. Et la démocratie, c'est décider ensemble, mais c'est aussi agir ensemble. Je sais que vous êtes très attaché à la question du pouvoir d'agir, de développer le pouvoir d'agir. Comment est-ce qu'on fait, d'une part, pour former des citoyens? Vous avez la compétence de la gestion des écoles, mais finalement, sur la partie éducative en tant que telle, une mairie n'a pas forcément beaucoup de leviers, ou peut-être avec le périscolaire. Est-ce que vous voulez agir sur cette formation du citoyen à l'école, et si oui, comment? Est-ce que vous voulez agir sur cette formation du citoyen tout au long de la vie, et si oui, comment? Et comment est-ce qu'on développe le pouvoir d'agir dans un territoire comme Poitiers? Des grosses questions. À Poitiers, on a la chance, le pouvoir d'agir, c'est effectivement au cœur de notre projet politique, mais ça vient pas de nous. Le pouvoir d'agir, c'est avant tout un projet d'éducation populaire. Et à Poitiers, on a la chance d'avoir un réseau de notre quartier qui est très structuré, qui a vraiment des habitudes de coopération. Et c'est avant tout sur elle qu'on va compter pour diffuser pour faire ensemble ce territoire pouvoir d'agir à l'échelle de Poitiers. Et donc, oui, le périscolaire, mais de manière générale, soutenir les associations d'éducation populaire dans ce qu'elles savent bien faire et les reconnaître dans ce qu'elles savent bien faire. Aujourd'hui, il y a une remise en question de tous ces apports d'éducation populaire parce qu'on les connaît mal, parce qu'on juge qu'ils sont dangereux, parce que donner la parole aux gens et permettre l'expression notamment des jeunes, etc., c'est dangereux parce qu'on entend des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Mais relégitimer toutes ces formes qui existent déjà, c'est notre première intention. Politiquement et s'inspirer de ce qui marche, s'inspirer de ces méthodes de l'éducation populaire pour nous les transposer dans nos manières de faire politique. Ça peut intervenir sur le périscolaire, oui, il y a des thématiques parents et on peut tout à fait décider qu'on met des moyens renforcés pour tout ce qui est apprentissage de la participation, de la démocratie à l'échelle d'activités pour les enfants dès le plus jeune âge, ça oui, c'est possible. Après, on a aussi un conseil communal des jeunes qui marche bien. Poitiers, c'était l'un des premiers conseils communal des jeunes à avoir été développé. Et comme l'a dit André tout à l'heure, l'enjeu, c'est pas tant qu'il existe, c'est quel pouvoir on lui donne. Et donc, du coup, encore une fois, relégitimer cette instance qui existe déjà, lui donner une vraie place dans la décision pour ce qui concerne les problématiques qui touchent les jeunes, les associer vraiment aux travaux du conseil municipal. Et puis, il y a aussi tout un enjeu, sur le comment faire, il y a aussi tout un enjeu de formation de l'administration qui travaille avec nous, parce que nous, élus, on a beau avoir des intentions qui sont très claires. On se rend compte qu'on ne peut pas le faire tout seul et que la concertation, ça ne va pas être réservé au service participation citoyenne. Concrètement, si on veut mettre de la concertation en place pour la mobilité, pour quelques sujets de la compétence de la collectivité que ce soit, il faut former les services qui comprennent pourquoi est-ce que c'est important pour nous et comment faire.
Et là, c'est aussi une démarche dans laquelle on est engagé, vraiment un plan de formation des services sur ces outils d'intelligence collective qui ne s'inventent pas, c'est des compétences en soi. Et voilà, qu'on arrive vraiment à faire équipe, élus, administration et citoyens, comme l'a dit Ombline, avec une démarche hors les murs pour avoir un projet de territoire là-dessus. Merci pour toutes ces réponses. Je voudrais qu'on passe à un sujet un peu différent, qui est celui des transitions ou de la transition. Je ne sais pas quel terme vous utilisez à Poitiers. On entend beaucoup parler d'effondrement, de monde d'après, de résilience. Dans ces termes-là, lesquels vous parlent on parle de transition écologique, de transition sociale, de transition démocratique. Qu'est-ce que vous mettez comme sens derrière ce mot de transition ? Et est-ce que vous utilisez les autres mots, notamment l'effondrement qui parfois fait beaucoup débat ? Alors, sur les termes qu'on utilise, déjà développement durable, non. transition, le problème, c'est un mot qu'on utilise parce qu'il a le mérite d'être grand public et d'être associé à un univers plutôt positif. Quand on parle de transition écologique, c'est plutôt une transition douce et positive et qui va vers un univers souriant. À titre personnel, je suis de moins en moins convaincue. Enfin, si ça ne tenait qu'à moi et si l'objectif n'était pas tant celui de la diffusion, mais que de la rigueur de notre pensée politique, la transition, pour moi, me convainc de moins en moins comme mot, parce que pour moi, elle renvoie justement à l'idée d'une évolution qui peut être douce et qui peut être simplement mue par un objectif de projets politiques, mais pour lesquels on aurait le temps de construire, etc. Et pour moi, ce mot transition se conjugue mal avec l'urgence climatique et l'urgence démocratique aussi. Enfin, l'effondrement, oui, je lis beaucoup d'auteurs qui parlent d'effondrement. Je ne dis même pas des théories, ce sont des perspectives qui m'intéressent, qui me préoccupent. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut parler de transition, mais l'enjeu, c'est avant tout de construire la résilience. Résilience, c'est un mot qui me parle beaucoup et je suis assez en colère que ça soit à ce point-là dévoyé par le fait que beaucoup de formations politiques l'utilisent sans réellement prendre la mesure de ce qu'il y a derrière. Mais la transition, c'est aller doucement vers un horizon souriant. La résilience, c'est accepter le fait qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de lutter contre le changement climatique, de le freiner autant que possible. C'est aussi de dire les changements, ils vont être là. On va les affronter, on va vivre dans les prochaines années et dans les années de notre mandat des changements extrêmement profonds à l'échelle du monde et qui ne vont pas aller dans le bon sens. Et donc, construire la résilience, c'est aussi adapter nos territoires, adapter nos vies quotidiennes, protéger nos habitants de ce qui va arriver. De fait, on peut ne pas parler d'effondrement parce qu'on ne sait pas. En revanche, parler de bouleversement profond, oui, c'est pas un parti pris politique, c'est une question de lucidité, de responsabilité pour moi. Donc, le mot de résilience me semble juste par rapport à la réalité de la situation, mais n'est pas forcément le plus appropriable d'un point de vue public. Donc, il faut trouver le bon compromis entre les différents termes qu'on utilise. Mais vous parlez encore d'effondrement au futur. Là, on est confiné, on est avec un état de droit qui est attaqué. On voit une loi sur la sécurité globale, on voit l'état d'urgence qui passe dans l'état de droit. Est-ce que pour vous, on n'est pas déjà dans une forme d'effondrement aujourd'hui? Et si oui, de quoi? Dure question. Je vais prendre un peu un pas de côté, si tu me permets, Armel. Parce que, voilà, c'est peut-être ma formation aussi, mais en tant qu'historienne, c'est vrai que le mot transition, comme l'a rappelé Léonore, c'est Pascal Chabot qui dit ça, dans un âge de transition, maintenant c'est un peu une notion un peu fourre-tout. Moi j'ai l'impression qu'on est en train de vivre, alors je n'utilise pas forcément le terme effondrement, mais en tout cas je crois qu'on est en train de vivre une bifurcation qui est radicale vers un monde qui est complètement incertain, qui est de plus en plus complexe, et c'est vrai que là on se doit nous de pouvoir anticiper ça. Il faut non seulement l'anticiper, ce monde-là, préparer les gens, nous préparer notre territoire, mais aussi investir, ça passe à mon avis aussi par investir les imaginaires. Et il y a tout un travail d'acculturation qui est hyper important pour aller vers, collectivement, un futur qui n'est pas celui justement de l'effondrement et comme si tout était écrit d'avance. Mais au contraire, comment est-ce qu'on arrive tous à se mettre en action pour pouvoir aller vers un futur qui soit souhaitable et non pas subi? Et ça, c'est vraiment, à mon avis, la clé, en fait. Parce que si on part du principe que l'effondrement, il va être là dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans, ça nous paralyse, en fait. Et c'est vrai que
Peut-être que oui, mais le chemin en fait n'est pas écrit. Et en tout cas, on peut encore agir, à mon avis, et comment on se met tous en intelligence collective, c'est justement ça, hein, le cœur de notre projet, je suis en suis persuadée. Comment est-ce qu'on met en intelligence collective pour essayer de bifurquer vers un autre futur et un autre avenir qui soit désirable. Vous parlez de l'état, enfin de en gros l'effondrement de l'état de droit auquel on pourrait être en train d'assister. Je pense quand même qu'il faut faire la part des choses, c'est-à-dire que pendant le premier confinement, enfin la crise sanitaire nous a quand même donné une expérience de la résilience, justement, de est-ce qu'elle était là ou pas, et on s'est rendu compte qu'elle était là en partie quand même, qu'on a un système social quand même assez résilient, c'est-à-dire qu'en France, on a plutôt été relativement plus protégé que les autres par un système de le chômage partiel, par la prise en charge par l'État de beaucoup de choses, et oui, justement, par rapport à la loi que vous évoquez sur la sécurité globale, etc., il faut être extrêmement vigilant. Mais moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, en tout cas, le système social tient encore debout, mais que la crise sanitaire nous a révélé combien il était fragile. Et que ce soit d'un point de vue sanitaire, où on ne sait pas produire localement ce dont on a besoin pour soigner les gens, que ce soit dans un... Enfin, je pense aussi, nous, on est assez portés sur la question de l'alimentation, par exemple. Or, notre système alimentaire n'est pas du tout résilient aujourd'hui. Le jour où on a un problème qui nous empêche de faire venir, d'importer des productions alimentaires d'ailleurs, on ne peut pas assurer la résilience de notre système alimentaire et donc la protection des populations. Et donc, tout ça pour dire, je suis partie un peu loin, mais tout ça pour dire que plus que de vivre, à mon sens, plus que de vivre un effondrement actuellement, la situation nous fait prendre conscience des vulnérabilités profondes du système auxquelles on doit répondre, auxquelles on doit se préparer, parce qu'elles vont s'aggraver avec alors, la crise sanitaire, mais aussi vraiment la crise écologique. Enfin, moi, j'associe plutôt le thème d'effondrement à celui de l'écologie, parce que aussi les écrits de Pablo Servigne, de beaucoup de gens, ce sont l'Institut Momentum, enfin, ce sont des sources intellectuelles qui m'inspirent. Et sont plutôt liés à la question de l'écologie, mais qui, de fait, cet effondrement écologique va avoir un impact majeur, et aussi d'un point de vue social, si on n'y prend pas garde. On sait très bien que ça va toucher les plus fragiles en premier, et que c'est vraiment à nous de construire les conditions de la résilience, et comme l'a dit Ombline, du fait que c'est pas foutu. Enfin, je trouve ça très facile de dire, en fait, le discours de « toute façon, c'est foutu », c'est un discours de boomer pour moi, parce que c'est ceux qui ont la chance d'avoir vécu une vie dans un univers, dans un avenir qui n'était pas celui qu'on connaît aujourd'hui, et qui pourrait s'exonérer de construire la suite. Nous, on est obligés, du fait qu'on est notamment des jeunes générations, on est obligés de construire la suite et d'arriver à se projeter dans un avenir heureux et combatif malgré la situation. Donc, comme l'a dit Ombline, notre rôle de politique, c'est d'être à la fois lucide sur cet effondrement qui pourrait se produire et sur les effondrements, du coup, si on se repose dans le cadre dans lequel vous nous situez. Un regard lucide, mais aussi optimiste, le choix de l'optimisme par rapport à ce qui se produit et d'envoyer ce message d'optimisme vis-à-vis de la population. Alors, vous me parlez d'envoyer un message d'optimisme, de faire travailler les imaginaires, et du coup, je vous propose cet exercice-là. Est-ce que vous pouvez me décrire à quoi ressemble Poitiers, si on est dans un Poitiers résilient, dans un territoire qui réussit à donner une place importante aux citoyens, qu'on est dans un territoire hautement citoyen, peu importe le nom qu'on lui donne, mais dans lequel les citoyens ont toutes leurs mesures, leur pouvoir d'agir. À quoi ça ressemble, Poitiers, résilient et très participatif? Tu nous fais faire un exercice de prospective, du coup, matin. comment je me vois? Déjà, enfin, sur la partie citoyenneté, par exemple, je crois qu'effectivement, pour construire cette résilience, et toujours, hein, dans l'optique qu'il y ait d'autres futurs alternatifs que ce qu'on dit comme étant inéluctable. Moi, je vois un Poitiers qui serait celui de l'entraide citoyenne, avec beaucoup plus de solidarité, d'accompagnement des initiatives citoyennes, associatives, mais aussi un Poitiers qui fasse la part à beaucoup plus d'autonomie dans l'organisation des populations. Je vois ça aussi sur le plan de la relocalisation alimentaire, une forme d'autonomie et de relocaliser certaines filières, par exemple, un outil plus vert, plus respectueux de l'environnement. Oui, enfin, il y a plusieurs... Moi, mon côté un peu responsable politique, pragmatique, me dit que le Poitiers dont je rêve, c'est avant tout un Poitiers dont, enfin,
le Poitiers résilient, pour moi, c'est avant tout un Poitiers qui est en sécurité et qui donc peut garantir, enfin, dont le territoire peut garantir à chacun qu'il mangera à sa faim, qu'il aura toujours de l'eau, qu'il aura toujours de quoi se chauffer et qu'il aura toujours les conditions d'un lien social apaisé entre les personnes. Après, ça c'est le cadre sur l'état d'esprit dont je rêve pour la ville, c'est une ville qui permettrait par l'échange fluide, par la participation citoyenne, par la transparence vis-à-vis des décisions qui sont prises, une ville qui comprenne que l'écologie est une question de sobriété heureuse en fait, aujourd'hui, on a vraiment un gros travail à faire sur, comme l'a dit Ombline, l'imaginaire et la compréhension du pourquoi un projet écologique au-delà des modes, en fait, c'est parce qu'on y est obligé par la situation, mais que ça peut aussi être porteur d'un avenir plus heureux. Et du coup, une population de Poitevine qui partagerait cette vision-là de, certes, on est dans une situation qui nous met en difficulté, mais ensemble, on va arriver à construire quelque chose qui nous ressemble et qui va être plus sobre, mais plus heureux, avec plus de lien social. C'est cet état d'esprit-là que j'aimerais qu'on réussisse à susciter dans la ville. Quoi. Et plus d'autonomie, mais pas plus d'autarcie, ça ne signifie pas plus de repli, par exemple. Ça, on n'est vraiment pas du tout dans cette optique-là. Au contraire, on souhaite faire de Poitiers une ville qui soit plus solidaire, plus accueillante et pour tous. Et donc, on n'est pas du tout dans cette optique de se replier sur notre territoire, mais au contraire de continuer en fait, à créer des synergies, des coopérations avec des territoires aussi qui sont inspirants et avec lesquels il y a beaucoup de liens à tisser. Mais c'est intimement lié avec... je reviens à ce que je disais sur la question de l'écologie et de comment est-ce qu'elle est comprise par les citoyens. C'est vraiment là que je trouve que l'écologie est intimement liée à la démocratie, parce qu'on voit que lorsque des décisions sont imposées, des décisions un peu dures vis-à-vis de l'écologie sont imposées, ça ne marche pas. Je prends souvent l'exemple des énergies renouvelables. Lorsqu'on veut mettre des éoliennes, c'est très bien, c'est une nécessité pour la transition énergétique. En revanche, lorsque l'implantation des éoliennes est imposée par des promoteurs, les citoyens, il y a un sentiment de rejet qui font que ça ne marche pas, que du coup, il y a un rejet vis-à-vis de l'implantation de ces solutions-là. Mais à partir du moment où on concerte les gens sur... on fait de la pédagogie d'abord sur pourquoi est-ce que c'est nécessaire de la transition énergétique, ensuite on concerte les gens sur à quel endroit c'est mieux placé, etc. La situation est mieux acceptée derrière, et mieux comprise, et même il y a un engagement citoyen dans l'intérêt de faire ça. Et si on prend... Nous, on a un projet écologique assez fort, c'est-à-dire que si on va au bout de notre pensée et de notre envie d'action, on va aller assez loin sur l'écologie, mais il faut impérativement prendre le temps d'expliquer, enfin trouver les moyens d'expliquer pourquoi on le fait, de permettre aux personnes d'en être acteurs, sinon ça ne marchera pas. Et du coup, voilà, une ville où chacun est acteur de l'écologie et de ce qu'il faut mettre en œuvre pour faire face à la situation, c'est ça l'horizon. Il y a une responsabilité du coup individuelle qu'il faut réussir à mettre, à animer, une responsabilité de la mairie, des élus, de l'administration. Mais tout ne dépend pas du local. Il y a aussi beaucoup de choses qui dépendent d'autres échelons, notamment nationaux, internationaux. Est-ce que vous avez l'impression que on peut travailler à une démocratie différente aussi à d'autres échelons, notamment nationaux, internationaux? Et si oui, à quoi est-ce qu'elle doit ressembler? Est-ce que c'est justement un pouvoir qui doit être beaucoup plus aux mains des collectivités locales? Est-ce que vous réclamez, vous souhaitez avoir plus de pouvoir, par exemple, j'en sais rien, de lever l'impôt, de mettre en place de l'éducation au sein des écoles et d'avoir un pouvoir aussi sur le contenu des écoles, le contenu éducatif au sein des écoles? Est-ce que vous souhaitez plus de pouvoir au local, et ça veut dire quoi? Et sinon, à quoi ressemblent les instances démocratiques à au-delà du local? Déjà, en préambule, peut-être, on est parti au début de cet entretien sur le fait que le problème premier était celui de la confiance des citoyens envers la politique. Et je pense vraiment que le premier échelon pour rétablir cette confiance, c'est celui de l'échelon local. C'est pour ça que c'est particulièrement important pour les mairies et pour les communautés urbaines de se saisir cette question de la participation citoyenne, parce que plus on monte dans les échelons, plus c'est difficile. C'est pas impossible, mais moins c'est en prise avec le quotidien des gens. Et donc, si on n'arrive pas à renouer la confiance au niveau local, on aura vraiment du mal pour les échelons supérieurs. Après, on en a pas sur la question de la décentralisation, on n'en a pas vraiment discuté, mais après, moi, je pense qu'il faut créer un cadre national, parce que c'est ce qui nous permet aussi de faire société, de faire république. Enfin, notamment, je pense à la question de l'éducation. Je pense qu'il y a vraiment l'intérêt à ce que les programmes éducatifs soient les mêmes pour tout le monde, parce que autant nous, on se fait confiance,
autant c'est dangereux de mettre cette question-là dans les mains de... Enfin, ça, c'est potentiel, j'y vois un danger potentiel en tout cas. Après, sur oui, je pense que la démarche qu'on a au niveau local, elle, est tout à fait, elle doit être transposée à des échelles... Enfin, elle peut être transposée à des échelles supérieures. Et la question est vraiment, pour moi, c'est pas tant la question des institutions telles qu'elles sont aujourd'hui. Il y a des choses à améliorer, mais c'est comment est-ce qu'on les relégitime, quoi. Aujourd'hui, elles ont perdu la légitimité aux yeux des citoyens. Et comment est-ce qu'on fait en sorte de renouveler profondément les pratiques, les personnels politiques aussi, qui sont dans ces échelons supérieurs et qui, dans la population, vis-à-vis desquels la population exprime un fort sentiment de rejet. Et comment on fait, alors? Je pense que déjà, on peut convaincre. On peut convaincre déjà au niveau local que ça peut fonctionner. C'est peut-être là aussi, hein, là où Poitiers, ce qu'on est en train de chercher à construire peut être intéressant et forme un peu de laboratoire. Je crois que c'est aussi une bonne échelle, la ville de Poitiers, pour ça. On n'est pas une très grande métropole, mais on est déjà une ville avec 90 000 habitants. Et c'est vrai qu'on peut déjà arriver à convaincre localement que plus d'autonomie, plus de résilience sur notre territoire, bah, c'est plus efficace. Plus de démocratie, c'est plus efficace qu'un fonctionnement très centralisé tel que l'on a actuellement. Ensuite, c'est une réalité. Je pense que l'approfondissement démocratique que l'on cherche à engager, de repolitiser les gens, mais dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire vraiment de les amener à être actifs dans leur citoyenneté, à prendre part aux décisions, ça ne peut se réaliser que si on a quand même une forme de décentralisation un peu plus poussée. Je pense qu'on n'est pas allé peut-être sans doute assez loin dans cette forme de décentralisation. Et on perd en fait aujourd'hui, effectivement, par le levier fiscal, etc. Les collectivités ont de moins en moins. On le voit bien, on a de moins en moins, on a de plus en plus de compétences, d'obligations en tant que municipalité et en même temps des moyens qui sont de plus en plus restreints. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose quand même à repenser. Mais ce qui est vrai, c'est que nous, on s'inscrit vraiment dans cette, quand je disais convaincre, parce qu'on s'inscrit aussi dans cet imaginaire de la démocratie directe, mais aussi du municipalisme. Voilà, avec des exemples, hein, qui nous ont inspirés, de Saillance, en passant par Barcelone, ou même Grenoble. Et ça passe par se réapproprier les institutions locales, relocaliser justement toute une partie de l'économie, recréer du lien, recréer des solidarités. Le maintenir, hein, dans cette période aussi de démocratie bousculée là, qu'on traverse, c'est hyper important. Et donc, ne serait-ce que déjà à une échelle locale, arriver à créer ces conditions-là d'exercice de la citoyenneté active, à mon avis, c'est déjà un premier pas vers ensuite repenser à d'autres niveaux, hein, comme le disait tout très justement Léonore, de repenser aussi la place des citoyens, le niveau de la participation citoyenne dans les autres échelons institutionnels. Il y a quand même quelques pistes très rapidement. Enfin, je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin de symboles pour marquer le renouveau des pratiques politiques. Donc, par exemple, le cumul des mandats ou même le cumul des candidatures me semble un peu choquant mais je pense que les citoyens attendent un fort symbole de renouvellement et donc enfin mettre en place vraiment l'interdiction du cumul des mandats à la fois dans le temps, à la fois dans les fonctions me semblerait un symbole intéressant. Et puis que les organisations politiques prennent conscience du fait qu'aujourd'hui ce besoin de renouvellement est réel et donc ne présentent pas toujours les mêmes personnes en candidature aux plus hautes fonctions. Après, il y a aussi la question de l'évaluation des politiques publiques, par exemple. Alors, c'est un peu technique et en même temps, je pense que vraiment, si on avait beaucoup plus de rigueur entre ce qu'annoncent des politiques et la manière dont elles sont suivies par les citoyens et par le Parlement aussi, enfin, je veux dire, je pense qu'il faut relégitimer le Parlement. On est dans un système de démocratie représentative. Aujourd'hui, on voit que le Parlement est un peu laissé de côté par rapport aux décisions. Comment on contrôle beaucoup plus que les engagements pris par les politiques sont appliqués? Comment est-ce qu'on met un peu de l'objectivité aussi dans la manière dans les effets produits par les politiques? On est énormément dans la croyance, en fait, dans les mesures politiques. On considère qu'en allégeant l'impôt, on va créer de l'emploi. Enfin, en fait, on n'objective pas du tout les résultats des politiques, et c'est encore une manière de désapproprier les citoyens de pourquoi et comment les décisions sont prises. Donc, mettre en place une instance nationale, enfin, il y a déjà des instances, mais encore une fois, il y a une question de communication. Comment est-ce qu'on ouvre beaucoup plus ces questions de contrôle des programmes politiques, d'évaluation des politiques publiques, comment on rend le Parlement vraiment un contre-pouvoir par rapport à l'exécutif aussi? Il y a des pistes à travailler de ce côté-là, en tout cas, à mon sens. Et c'est vrai que là, on parlait au tout début de la Convention citoyenne pour le climat. Voilà, typiquement, ça, c'est une bonne initiative, hyper intéressante, justement, pour repenser peut-être le niveau de la participation citoyenne, ce contre-pouvoir démocratique dont vient juste de parler Léonore.
dans nos institutions, il y a aussi peut-être un défi aussi de l'inventivité, d'hybridation institutionnelle à engager hein, plus fortement. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, aux côtés de nos institutions actuelles, de l'Assemblée parlementaire, du Sénat, une chambre citoyenne aussi, par exemple, qui pourrait être peut-être permanente, en tout cas, qui aurait cette vision d'être garant de la longue durée, parce que aussi, ce qui nous paralyse, c'est ce court-termisme en politique, en termes d'action, donc d'action juste, soutenable. Donc là aussi, peut-être que des citoyens réunis de manière permanente, certains réfléchissent à ça, hein. Je sais que Dominique Bourg proposait une assemblée du futur, par exemple, voilà, c'est une initiative intéressante. Des citoyens qui seraient complètement déconnectés aussi d'intérêts particuliers et qui seraient vraiment au service de l'intérêt général et de la longue durée. Il y a des pistes, en tout cas, il y a des choses, c'est sûr, à transformer, je pense, dans nos institutions. Merci. On a ouvert plein de sujets qu'on aurait envie de continuer et d'approfondir. Je vous propose qu'on s'arrête là. Est-ce que vous avez un mot de la fin à adresser à ceux qui nous écoutent et une lecture, un ouvrage, une œuvre à leur recommander? Le mot de la fin, ce serait vraiment, enfin, c'est plutôt des mots, les mots qui me viennent, c'est faire le choix de l'optimisme, faire le choix de la confiance en les citoyens, vraiment, c'est une question de culture. La culture de la confiance envers les citoyens, je pense que c'est communicatif et ayant confiance en l'intelligence collective et ayant confiance en l'intelligence citoyenne. Et il y a un livre qui m'a beaucoup porté pendant la campagne, c'est Nous, de Tristan Garcia. C'est un ouvrage qui explique de manière très jolie comment est-ce qu'on peut passer d'un jeu au nous et comment ça peut être une force de transformation politique. Et voilà, mon petit conseil de lecture qui me passe par la tête. Et oui, je rejoins tout à fait Léonore hein, sur cet optimisme et se mettre en mouvement. C'est vraiment aujourd'hui un enjeu. On a tellement de défis sur le plan écologique, sur le plan de la précarisation sociale, qu'on a besoin de l'implication de toutes et tous pour relever ces défis du 21e siècle. Donc oui, allons, mettons-nous en mouvement tous ensemble, collectivement. Et puis, peut-être une lecture, je viens de terminer, je suis à fond sur la 5G en ce moment. Donc, je viens de terminer un livre d'Irénée Regnault et de Yael Benayoun qui s'appelle Technologie partout, démocratie nulle part. Donc là aussi, c'est un plaidoyer qui est vraiment très intéressant, très stimulant pour repolitiser cette question des choix technologiques qui sont en tout des choix de société. Et ça vient aussi re-questionner ce qu'on disait tout à l'heure, faire le lien avec cette question de quels imaginaires et comment on construit un récit qui soit positif de cette transformation sociale, politique, écologique. Et donc cet ouvrage, il est stimulant parce qu'il vient questionner notre notion du progrès. Il y a une notion, vraiment cet héritage du 19e siècle, théorie positiviste, voire une certaine forme de déterminisme technologique. Et là encore, c'est vrai que j'ai trouvé intéressant parce que ça nous montre, cet ouvrage était très pertinent dans le fait que le futur n'est pas écrit. C'est à nous de l'écrire, en fait. Léonore m'en conduit. C'est le mot de la fin, magnifique. Merci, merci à toutes les deux. Merci à vous. Et puis, bon courage pour la suite, c'est pour un Poitiers plus démocratique. Merci, merci.